Bonjour, je m'appelle Pierre Mourlevat, j'ai 26 ans et je suis responsable de l'agence Docteur Ordinateur à Chamalières. Je m'appelle Alexandre Rochon, j'ai 29 ans, j'habite à Clermont-Ferrand et je travaille pour le label Kutufolk Records ainsi que pour la grappe Réseau Auvergne Musique, Médias et Images. Céline Gibert, je suis responsable de formation au Greta Duvelet, j'ai 31 ans et j'habite sur le Puy-en-Velay. Je m'appelle Jean-Philippe Paillon, j'ai 40 ans, je dirige la société Côté Gosse que j'ai repris le 14 avril 2011. Côté Gosse a été fondée en 2005 et est la première société spécialisée en garde d'enfants depuis la naissance. Alors donc moi j'ai commencé par monter à Paris, suivre des cours de théâtre parce qu'à l'époque c'était ma passion. Ça s'est pas très bien passé, je me suis pas disons très bien adapté à la vie parisienne, donc je suis revenu sur Clermont-Ferrand. J'ai fait quelques petits boulots, j'ai été livreur de pizza, j'ai été garçon de café, tout ça. Et finalement pour m'amener en fait à créer mon projet professionnel pendant ce temps-là. Ce qui m'a posé, moi, peut-être souci, c'est ce manque déjà d'expérience, puisque je n'avais pas vraiment travaillé sur le long terme dans une entreprise avant. Et donc, il a fallu un petit peu se débrouiller et, avec des morceaux de conseils un peu près à droite à gauche. Je dirige le label Kutufolk Records, donc un label indépendant qui développe des artistes clermontois et internationaux et qui a la particularité de sortir des disques avec des pochettes cousues main et dessinées par les artistes. Le constat que j'ai pu tirer de mon activité, des discussions avec les partenaires locaux, c'est qu'il y a en Auvergne une véritable structuration de l'activité culturelle. Les points sensibles, c'est réellement les points d'emploi des musiciens et des acteurs de ces filières. Dans le cadre de mon activité au Greta Duvelet, je suis amenée à accompagner deux types de publics. Certains d'entre eux ont un projet professionnel, veulent se qualifier et acquérir des compétences dans un cadre très précis. Donc là, on va leur proposer des formations qualifiantes. Donc ils vont par exemple préparer un CAP cuisine ou un BTS audiovisuel ou un BTS dans le tertiaire. Et on a un autre type de public, donc là, qui est des demandeurs d'emploi mais qui ne savent pas quoi faire et qui veulent trouver un emploi porteur sur le secteur pour s'insérer professionnellement. Donc là, on va les accompagner dans la définition du projet professionnel. Côté Gosse est une société spécialisée dans la garde d'enfants à domicile dès la naissance. Aujourd'hui, Côté Gosse, c'est 90 emplois, tous professionnels, issus de formations diplômantes dans la petite enfance. Côté Gosse a des réelles difficultés au niveau de l'emploi, il y a un déficit de personnel qualifié. Ma question aujourd'hui pour Grain d'Emploi, c'est qu'est-ce que vous pouvez apporter à toutes les personnes, jeunes ou moins jeunes, qui souhaitent créer leur entreprise et qui malheureusement manquent de conseils et manquent d'encadrement. Donc qu'est-ce qui peut être mis en place à ce niveau-là pour avoir un meilleur suivi et des entreprises qui marchent dans notre région? Donc la question que j'aimerais poser, c'est quelle est la place de la culture au sein de Grain d'Emploi? La question que je souhaiterais poser dans le cadre de Graines d'Emploi, ce serait de savoir comment les partenaires envisagent-ils la montée en compétences et la sécurisation des parcours des salariés des filières de proximité. Face aux difficultés que l'on a à recruter, face au déficit de personnes qualifiées, la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la place qui est faite au service à la personne dans Graines d'Emploi.